Alors, bienvenue dans la bibliothèque Luméris, où vous savez qu'on a à cœur de partager des ouvrages qui nous ont inspirés, qui nous inspirent durablement. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de L'acceptation radicale de Tara Brach. C'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années et que j'ai eu envie de relire récemment parce que, dans le contexte actuel, je trouve qu'on est pas mal brassé et ce livre aborde ce sujet central de l'estime de soi, qui est un sujet complètement d'actualité pour faire face aux tempêtes qui nous entourent. Et Tara Brach, c'est une thérapeute et une adepte de la méditation bouddhiste. Elle a écrit ce livre il y a longtemps, hein, maintenant, en 2004, et c'est devenu un succès planétaire. Et elle pose cette notion, comme son nom l'indique, de l'acceptation, mais de l'acceptation radicale de soi. Allez, c'est parti! L'acceptation radicale, c'est comme une antidote à des réflexes passés où on peut se jeter la pierre, où on se déconsidère. Et Tara Brach fait écho à des études scientifiques qui montrent que lorsque l'on est aimé pour ce que l'on est et non pas pour ce que l'on fait, tout de suite on ressent un impact physiologique et un impact psychologique. Et c'est extrêmement intéressant de considérer être le plus soi-même pour ne plus être à la merci des tempêtes qui nous environnent. Et j'ai envie de partager avec vous, alors il y a plein de conseils hein, dans ce livre, mais j'ai envie de partager deux conseils. Le premier, Tara Brach explique très précisément et nous donne cette clé, ce tips de nous dire commencez toujours par dire oui. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une situation compliquée, confronté à une difficulté, la première réaction réflexe peut être de résister. Et elle, ce qu'elle nous encourage à faire dans toute situation, finalement, c'est de commencer par dire oui, c'est-à-dire oui, j'accepte la situation, oui, c'est comme ça, elle sera probablement différente demain, je ne sais pas quand, mais commencer par accepter les situations telles quelles et commencer votre propre réalité de vie par un oui. Le oui pacifie le corps et l'esprit, il affûte le regard et il nous conduit à être plus ouverts à l'innovation, à la créativité, aux possibilités que le monde a à nous offrir. A contrario, le non nous resserre, nous étrique en nous rendant beaucoup plus durs. Et physiologiquement, on constate que l'on arrive à se retrouver dans une configuration apaisée, à une configuration de rythme cardiaque plus serein lorsqu'on se met en situation d'acceptation et non de résistance. Donc, premier conseil, prenez ce réflexe du oui. Deuxième conseil, savoir faire des pauses, ce qu'on pourrait aussi appeler le lâcher-prise. Et Tara Brach fait référence à une expérience qui a été menée avec des pilotes d'élite de l'US Air Force dans les années 50 et il leur a été demandé de conduire vraiment une épopée mortellement périlleuse, c'est-à-dire de monter à des hauteurs dans lesquelles personne n'était jamais allé. Et ces pilotes ont découvert qu'à une certaine altitude, les lois de l'aérodynamique ne fonctionnaient plus, c'est-à-dire qu'ils étaient en configuration de perdre complètement leurs repères. Et tous ceux qui ont tenté de résister, c'est-à-dire d'appliquer dans une situation différentes de ce qu'ils connaissaient, d'appliquer leurs règles habituelles, se sont retrouvés dans une configuration mortelle où leur avion est tombé à pic. Et un jour est arrivée une situation où un pilote, alors qu'il était en situation très très haute dans l'atmosphère, donc il n'était plus aux manettes, et il s'est retrouvé assommé. Et cet exemple-là a conduit à une réalité qui va vous parler et qui va faire écho à ce besoin à certains moments de lâcher prise, c'est-à-dire que le pilote était assommé, n'était plus aux manettes, et de fait, son avion, en revenant dans l'atmosphère connue et maîtrisée, l'avion a repris un fonctionnement normal. Et à ce moment-là, le pilote, qui s'est réveillé, s'est remis aux manettes de son avion, donc après avoir complètement perdu prise sur la situation, sans être en configuration de pouvoir résister, finalement, ce pilote s'est retrouvé en situation de pouvoir poser son avion de façon sereine
et confortable, alors que tant d'autres qui avaient résisté, qui avaient essayé d'appliquer des règles dans des environnements dans lesquels ces règles ne fonctionnaient pas, étaient morts. Donc la solution dans cette situation complètement désespérée, c'était de lâcher prise, c'est-à-dire de ne rien faire. Et donc, quand les choses semblent nous échapper, quand tout nous résiste, j'ai envie de dire la pause s'impose. C'est-à-dire, prenons le temps de s'arrêter, de se distancier, d'observer, de prendre le recul nécessaire sans agir. Et par réflexe, on est toujours tenté de vouloir faire, de vouloir agir, de vouloir compenser, de vouloir ajouter, surajouter. Et le conseil que nous donne Tara Brach et que je trouve extrêmement inspirant, c'est quand vraiment les difficultés sont trop grandes, arrêtons-nous, posons-nous. Et de fait, en faisant cela, nous créons les conditions de laisser les solutions venir à nous et nous nous mettons en configuration d'une plus grande créativité. Donc réussir avec un supplément d'âme, c'est aussi apprendre à certains moments, dans certaines configurations, à lâcher prise. C'est-à-dire à se recentrer sur l'instant présent pour faire taire les peurs par anticipation. Et c'est à ce prix que des nouvelles solutions vont émerger. Voilà, j'aurais tellement de choses à vous dire encore sur ce livre, mais je vous conseille peut-être, si ce n'est déjà fait, hein, de vous plonger dans cette écriture très accessible et très riche de Tara Brach. Moi, ce livre, personnellement, il m'a beaucoup touchée, il me touche encore beaucoup. Et si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce partage, partagez à votre tour, likez, commentez, et puis je vous dis à très vite. Bye bye.